Donc, je vais vous parler de la prière. La prière, pour moi, c'est un acte pendant lequel je déclare, à travers le Dieu qui est en moi, ce que la parole dit de moi, et je prends possession de cela. Donc, la prière, tu te convaincs toi-même de qui tu es. La prière, ce qu'on ne fait pas, quoi? On ne supplie pas pendant la prière, mais on commande. OK? On ne supplie pas, mais on commande. La prière n'est pas faite seulement de mes idées. La prière doit être faite des idées de la Bible. Et les idées de la Bible, c'est aussi des passages bibliques. Donc, si je dis quelque chose, j'appuie avec ce que la Bible dit. La prière n'est pas forcément longue. C'est pas parce que j'ai prié 1 heure que j'ai vraiment prié. Mais dans la prière, je dois dire ce qui est essentiel. Je dois toucher les aspects de ma vie, comme ton foyer, tes enfants, tes business. La prière n'est pas concentrée seulement pour tuer les ennemis, mais pour déclarer qui je suis. Très important. Je ne suis pas là, oh, je veux que mes ennemis meurent, que tous mes ennemis meurent. Non, je suis ceci, parce que je suis déjà libéré. Selon la parole, je suis déjà libre. La prière n'est pas seulement pour me délivrer et me libérer. Oh, je me libère de tout ce que mes ennemis m'ont fait. Oh, oh, hein. Mais pour bénir ma vie, mes possessions.